il est, le président du syndicat de l'eau. Qui c'est, le président du syndicat de l'eau? C'est pas moi, c'est toi. Mais je suis le président de l'eau parce que je suis le maire, et je suis le maire parce que j'ai le téléphone. Ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ça, c'est ta quittance d'eau. Parfaitement. 50 de francs et le timbre. Alors vous les avez bien pris, mes sous? Où elle est, cette eau que j'ai payée? Si tu étais arrivé plus tôt, l'ingénieur, il t'aurait expliqué l'orographie. Eh oui, tu dois te tenir compte de l'orographie. Moi, je ne tiens compte de rien. Et surtout pas de ça. J'ai payé l'eau, je veux mon eau. Écoute, un camion citerne va venir tous les jours de la préfecture. Tu viens avec ton mulet, deux tonneaux, tu auras droit à 150 litres d'eau par jour, comme tout le monde. Premièrement, j'ai pas de mulet, j'ai un âne. Deuxièmement, 150 litres, c'est bon pour un bistrot, pas pour une prairie. Troisièmement, j'ai payé de l'eau de source, pas de l'eau de camion. À mon avis, l'eau du camion provient sûrement d'une source. Pas de la mienne. J'ai payé l'eau, je veux mon eau. Mais ne crie pas si fort. Tu nous fatigues, tu te fatigues et ça tient à rien. Oh, bonne mère. Et mes aubergines? Et 600 pieds de pommes d'amour grosses comme le poing? C'est un malheur général. C'est un cas de force majeure. Moi aussi, je suis majeur. J'ai payé l'eau, je veux mon nom. Mais puisque la source ne coule plus, où veux-tu que nous la trouvions? Où vous voulez. Mais faites-la sortir de mon tuyau. Et puis d'abord, toi, te mêle pas de cette affaire. T'as beau être conseiller municipal, moi, j'ai pas voté pour toi. Je m'en fous de ton vote. Et tu nous emmerdes, Parpagnas, où tu te crois? C'est les valeurs d'eau. Oh,